dans le pays d'Égypte. Et j'ai frappé tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'à les animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Les dieux vous servira d'ici, sur les maisons, où vous serez, je verrai les sangs, et je passerai au-dessus. Vous, il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai les pays d'Égypte. Amen. Et voilà une fin de lecture dans ce passage-là. Verset 13, il y a des sons. Vous servira des signes. Si à la maison, vous serez, vous verrez les sons. Je verrai les sons pendant et je passerai par-dessus. Vous, il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand vous frapperez les pays d'Égypte. Amen. Après, vous dites, il y a des gens qui souvenirs. Vous conserverez les souvenirs de ces jours, vous célébrez par une fête en l'honneur de l'Éternel, vous célébrez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, vraiment, frère et soeur. Mais qu'est-ce que la Pâque? Qu'est-ce que la Pâque? Hein? Qu'est-ce que la Pâque? Cette traduction veut dire, la Pâque veut dire épargner. La Pâque veut dire épargner. Et bon, demain, il y a une Moïse Caraon, et il y a là un agneau mal, sans défaut, et c'est pas un agneau, un zéro. On dit, il m'a dit, on se somme de la côte, et aussi dans tout le monde. Et hier, quand mon Dieu passait, quand onze destructeurs, on ne peut pas voir un homme destructeur, qui est venu pour passer, et quand ils vous disent, ils vont passer là haut. Over. Quand il parle du sang, il passe trop, en don. Alors, à côté que peut-être qu'il bon, il va devoir bon Dieu, pour tout ce temps, ça descend, il sort, il supporte. Quand ça ose d'exister, c'est passé quand il du sang, il passe là-haut, que nous avons Israël. Mais que nous avons dans l'Égypte, que nous avons là, et il partit là-bas, il rentrait, puis il y a un grand désastre, un grand drame, dans une grande malédiction qui nous frappe l'Égypte parce que. Et c'est comme ça que le peuple en esclavage, 40 années d'esclavage, a été torturé. Et bon Dieu, ils ont baisé d'aller tirer les autres, comment dire, tu fais des esclaves. Mais ce jour-là, quand ça rentre, c'était même passé dans 5 placards, les états de même jusqu'à ce animaux, jusqu'à ce du monde, elles prenaient même les rois, ce premier enfant, ce garçon, qui est mort. Allez. Mais c'est pourquoi nous sommes et épargner. On la part, et épargner. Quand il dit, les sons de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 11, et il dit, ils ont vaincu à cause du sang. Cet sang, ça, l'agneau-là, les représente Jésus-Christ. Amen. Cet sang-là, les représente les sangs de Jésus. Les représente les sangs de Jésus. Et voilà, dites-nous, les diables qui ont vaincu, pour les sangs de Christ. Voilà, nous avons besoin d'un aperçu, nous avons besoin d'une explication sur la Pâque. On va pouvoir profondément dans le terme Pâque. Mais c'est moi plutôt, mon bouquet, ça, des trois jours, ça, un des jours, que le Seigneur Jésus. Vous voyez la Bible de nous dans 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, tout ça là qui est dans l'Ancien Testament, qui cause sur le Seigneur Jésus-Christ. Jésus, l'agneau de Dieu, qui est contre les petits du monde. Jean-Baptiste, là, il y a ça. Et ici, dans 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, il dit Christ, notre Pâque. Nous, tous les jours, nous célébrons la Pâque. Chaque semaine, on voit la Sainte-Sainte en mémoire de Jésus. Et aussi, le dimanche, nous connaissons le Seigneur Jésus et le ressuscité. Mais aujourd'hui, pour vous mettre en face, écoute bien, frère et soeur, ça dit trois paroles que Jésus dit sur son baptiste. Le Seigneur, il prend bien les temps. Il explique ce disciple, pour vous trouver ça, dans Jean, chapitre 13, verset 4. Hein, verset 4. Nous vous trouvons ça. C'est moi qui ai dit dans l'évangile de Jean, chapitre 13, verset 4. Le Seigneur lui propose avec ce disciple. C'est bien important, comme à nous dire, ça a des trois jours-là. Et.
Voilà, 13, 4. 13, 4. 13, 4. Merci. Voilà, dans l'évangile des anges, chapitre 13, verset 4. Voilà, vous faites la lecture. Voilà pour la lecture. Jésus, il levait, se leva de table. Même on peut constater dans le premier passage là, vous prenez les à partir de ce cas, se leva de table. C'est-à-dire, Jésus levait, ôta ce vêtement, il prit un linge, donc il se saint. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver les pieds des disciples et les essuya avec. Les linges dont il était saint. Il vint donc à Simon Pierre et Pierre lui dit: toi Seigneur, tu laves les pieds? Jésus répondit: ce que j'ai fait, tu ne comprendras pas maintenant, mais tu comprendras bientôt. Pierre lui dit: non, jamais tu ne laveras les pieds. Jésus répondit: si je n'étais là, tu n'auras point de bord avec moi. Simon Pierre dit: Seigneur, non seulement les pieds, mais en haut, les mains et la tête. Jésus le dit: celui qui est lavé n'a pas besoin que se lave les pieds pour être entièrement pur. Et je vous êtes pur, mais non pas tous. Car je connais celui qui livre bon. Ok. Frère et sœur, comme on dit là, le Seigneur fait une action, le Seigneur fait une action avec son disciple, et il sortit, il vina, il se souvient, il y a un mec qui a pu servir, il prend ça, il pique de l'eau en bas, dans le conteneur là, il prend son disciple, il me dit: les disciples, elle reste toujours un disciple, Jésus est là, sur les pieds. Et Jésus met la main sur le pied, puis il va nous dire, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit: de même, je aussi fais pareil. Jésus, il dit de ça. Et Jésus met la main sur le pied, il va nous dire: Pierre, si il a tout mis la main sur le pied, vous voyez, ça m'a dit, mon Dieu, ça m'a dit une parole là, il est bien pour toi. Par exemple, parfois, vous voyez, il y a un parent, jeune fille, et il a mis des enfants, petit, pas de vaisseau, qui tout bien. Papa, tu trouves les diamants grands là, les diamants là-dedans. Tu connais, prends soin de tes frères, c'est pas que tu sais. Maman, regardez. Prends soin. Ça parle, pas de tout faire, les mêmes choses. Mais c'est pas ça, parole là, comme dire, qui est sacré, qui est bien pour toi. Il est bien pour toi. Les mal, pas même, comme il y a une chose, les gens, vos parents, devant les petits sœurs. C'est la parole là, restée. La même parole. Il est gravé dans le mort. Pas qu'à. Et comme ça, Jésus explique ce disciple. Il met là, il met là, il met là, il met là, il met. Vous voyez, cette action-là, que Jésus fait là, c'est un langage figuratif. Quand Jésus peut dire, vous voyez la zone du pied, et ceci a fait lui-même. Vous comprenez, je vais vous expliquer bien. Et souvent, des fois, le Seigneur Jésus, il cause en parabole. Il cause un langage spirituel. Il y a un mystère, ça. Vous comprenez? Et il y a une cause, comme on dit, littéralement. Pas besoin de l'assassin sur le pied. Il n'y a pas besoin de faire ça. Il ne sait pas qu'on s'en vient. Il y a un autre. Au contraire, il dit: je aussi fais pareil. Le Seigneur me cause un langage, comme on peut dire, spirituel. Vous voyez, un langage spirituel. Et comment vous pouvez faire là? Je aussi fais pareil. Je dis, je t'avais parlé. Mais, comme on peut dire, frères et sœurs, et vous voyez, papa, nous, papa, la petite matinée, nous disons, nous, mon cher, nous préconnaîmes. Papa, nous préconnaîmes, nous ferons même plus, nous ferons plus bien, nous ferons plus bien, papa, nous ferons rien. Et, vous voyez, qu'est-ce bien, frères et sœurs? Papa, il a beaucoup la case, il avait un parent handicapé. Maman handicapée, papa d'une famille handicapée, papa handicapée. Les enfants n'ont pas même tous mis. Acheter de l'église, c'est sûr, vous l'avez dit. C'est pas juste.
On devait pas courir. Il est venu là. On devait. C'est ma chère qui le dit. Faut bien dire c'est le langage spirituel. C'est le langage spirituel que Seigneur devait montrer sur nous. Et c'était l'humilité. Vous connaissez l'arbre qui est là. Donc, on va commenter avant. C'est pas un esclave que tu peux faire ça pour ton père. T'as la moquée, tu veux la moquée. Un esclave, dans les pieds, je te mets. Vous devez saisir à combien plus forte raison les descendants aussi bas que nous. C'est comment ça, monsieur. Je dis qu'il a fait une grande cérémonie. La cérémonie ne vous va prendre profond dans la Pâque, nous tous, nous avons mis un message dans la Pâque, mais c'est vraiment pour les montres jeunes. Ce que le Seigneur il dit avant, faut attention, ça va lancer, voilà. Vous voyez, il y a là le Seigneur, il peut faire ça, il peut imiter aussi par, il peut montrer son baptisé, comment dire, comment il dit, il peut imiter, il peut imiter. Bon, je vous donne un passage qui garde, qui accomplit ce que vous pouvez dire là, hein, une référence, pour montrer que c'est un langage figuratif. Dans Matthieu chapitre 5, verset 29 à 30. Jésus-Christ dit comme ça. Si tu disais, il y a une occasion de succès pour toi, arrache-lui l'avantageux qui te rend dans le ciel avec un seul désir. Disais, si tu la mets, il y a une occasion de succès pour toi, puis tu te coupes la main là, tu te jettes loin de toi, qui te rend dans le ciel avec un seul la main. Mais, la parole de Dieu est là. Mais si vraiment vous voyez ce qu'il peut dire à la lettre, que vous êtes dans l'église, 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 que vous êtes là. Mais pourtant, on va me faire lire. Il a payé. Il m'a entouré. La télévision, il peut prendre du monde, il peut mettre de la croix, il peut connaître, il peut faire une cérémonie. Préférer sur la croix, est-ce que c'est ça le Seigneur de nous faire? Les tout seuls qui sont pieux saints, pas de haute impénitence, nous devons comprendre, par exemple, comment vous dire au papa, nous nous reconnaissons, nous faisons plus. Vous devez, par exemple, c'est le même langage spirituel. Jésus qui vous dit en parabole, et nous aimeriez que nous priez. Il y a pour nous, on est pour Dieu de nous l'intelligence et de nous sagesse. Père et Sœur, pour capable de comprendre le mystère de la parole de Dieu. Et si je vais comprendre ça, bien, Père et Sœur. Voilà, vous espérez, je comprends ça. Première partie de mon esprit, je vais qui était la Pâque et qui sa signification là. Qui le Seigneur vient, il peut demander nous pour faire. Vous devez. Et le Seigneur dit un petit peu des mots. Lien de Dieu, l'indiction qui m'a fait de nous. Quand on continue, lire ce passage-là, même ça, Matthieu, chapitre 5, maintenant, quand on continue à lire, même si on peut dire tout dans ce sens-là, autour du Seigneur, pour dire comme ça, moi, le maître, je t'appelle moi maître, je t'appelle. Le Seigneur dit, je ne bien faire, je t'appelle moi maître, je t'appelle moi Seigneur. Vrai, il est vrai. Vous êtes maître de notre Seigneur. Mais il dit que si les maîtres, ils font ça, faites-le. Vous devez faire de même. Ils ont dit faire de même. Le Seigneur Jésus, frère et soeur, à combien plus forte raison, il me nous a été là. Il n'y a pas de conflit de penser. Jésus, il travaille avec un petit monde pauvre. Il rentre dans la maison pauvre. Sous explication, bien clair, pour qu'on ait dit merci Seigneur, il y avait la Bible qui traduit dans toute sa simplicité. Et aujourd'hui, pour vous, c'est dans la Bible traduite en créole, facilement. Facilement. Nous avons le Saint-Esprit, le Seigneur éclaire nous, frère et soeur. Et je t'ai en beaucoup contact, je suis capable de demander à mon frère, à ma soeur, explique-nous, frère et soeur, et tous les jours, les sens pour les semaines. Parfois, il y a beaucoup de messages erronés qui compliquent. La Bible a déjà rencontré. L'évangile, quand on lit les frères et sœurs, il est en harmonie. Tout ça va être l'évangéliste qui est écrit dans Matthieu, Marc, tout vient dans le même sens.
Mais toi-même, la déclaration, tout ce qui est cause de ceci, puis n'a pas de complication. Puis nous va dire, on tout craqué. Nous avons peur, attention, nous devons virer, nous ne pouvons pas parler, nous ne pouvons pas dire, mais non, frère, il est bien simple. Il faut bien dire, pas tout à fait que nous disons, mais. Dès qu'il y a du Saint-Esprit, dans l'Esprit bon Dieu, avec nous. Parce que nous avons combien la parole de Dieu. Tenez, il y a beaucoup de t'aspires pour une prédicate et nous verrons tout ça, bon Dieu, bien. Bon Dieu, puis les bon Dieu qui donne pas de don, pas vrai? Un jeune prédicateur comme ça, sa personne n'a pas lui, il est pressé pour une prédicateur. Ça, pasteur, il dit, moi, pas selon. Il dit, oh, il y a une prédicateur. Si, t'allais vous trouver train de savoir faire. Connais comme pression pour votre nom. Quand les diables les sont en pile, on vient là. Tout cas, des autres diables, vous êtes président de l'église. Ben, il y a un frère, toi, il y a un monde, il y a un coup. Il y a beaucoup d'opposition, il faut en faire pour ouvrir. Vous avez des hommes qui ont là. À cause de ça, vous avez un combat. Foncez, n'a pas tombé, n'a pas baissé les bras. Les torts de vous dire moi. C'est des années tous, je me fais bien. Mais quand vous faites bien, parce que les gens pour les groupes qui tout comme ça même, risque dans le Seigneur, risque dans la foi. Et le Seigneur, vous connaissez, il donne beaucoup à l'instruction. Le Seigneur compte. Nous pouvons dire, vous connaissez, pour faire nous accompagner, il a guidé le Seigneur, il a montré la douceur, il a baissé pour aider l'esclave. Vous savez, et justement, pour avoir commandé, il a beaucoup de ça. Moi qui sers, moi qui commande, moi qui bosse, et on va tourner ça dans le souvent dans ça. Moi qui marie dans la table, moi qui fais la loi ici. Il va dire, hein, un jour, c'est vous voyez, avec mon Dieu, il est différent. Un jour, tu as un cimetière monté, tous les peuples d'Israël Israël qui disent donne-nous des rois. Parce que Samuel, le prophète, il dit Jésus, il dit Jésus quand même, les malades nous donnent des rois. Et là, mon Dieu dit il y a un problème. Donne-nous des rois, il a répondu pour ce prophète Samuel, il est allé de loin, Saül. Les humains rencontrent une famille, l'onction d'huile. L'onction du roi, la reine, vous avez donné sa pauvreté. Elle dit pourquoi vous avez saisi votre parole, ma premier conseil. Déjà que ça, bon Dieu, il appellera comme roi, non pas pour dominer sur le peuple. Saisi comme ça, je suis de bon baiser. Je donne ma vie pour vous. Amen. Voilà. Puis la bosse aussi. Le Seigneur a même une détournée, comme je dirais. Les bâtis, on va dire, servis-moi. Pourquoi vous trouvez dans le monde spirituel, vous avez peur pour vous autres. Pourquoi vous connaissez dans le livre, vous avez peur. Et le récit, on ne va pas poster là-bas. Donc, parce que Jésus, ma disciple, s'est dominé sur l'esprit. Qui a été intimidé? Je dis là, même, je dis, je dis prose. Vous remarquez, Zidane est le petit vrai, tu es dans la petite. On prend Jésus, tu es la soupe. Et dans la 16e de Zidane, c'est ainsi qu'il te fait livrer. Vous savez. Et Jésus, même Zidane, tu es là, même Jésus dit, il va nous pousser une personne. Le contraire du Seigneur dit, comme on a refusé dans l'endroit, vous voyez, Satan est provoqué. Même disciple dans l'église, même pendant, même juif, Jésus persisé. Attention, le Seigneur vénérait là, nous crucifier, nous condamner. Jésus persisé, même pharisien. Mais Jésus, c'est pas ordinaire ça. Au contraire, on s'est là sur un sacrificateur, on va aider personne. Allez, je te rappelle de ta main. Et va la retourner de tout ça. Mais va la dire, mais je l'amène. Et j'ai aucun homme n'a parlé comme ça. Tu as l'autorité de ce parole. Ce parole, tu es dans la vie. Comme des paroles que je vais créer. Jésus, que tu peux poser, même un démon même. Tu peux guérir, tu peux y aller avec tout le monde avant de venir. Jésus est Dieu, même. Tu veux dire, nous, la terre, nous, penser. Demain, je ne vais pas répondre. Je vais connaître qui est de sa parole. C'est tellement de tu sain. Tu veux dire, tu es abondant. Tu besoin de ma vie. C'est une sainte, malheureuse, pour tout le monde était là-dedans. Pour ça, après, beau, après, pécrier, Jésus a arrêté, il est venu, il est venu. Mais Jésus a arrêté le sommeil. Et c'est accueilli et tout. Même à soi, fatigué, un jeune Nicodème, un chef religieux,
Et j'ai trouvé qu'il y a une question extraordinaire avec les passés des siècles, le tête de la loi, et j'ai trouvé que c'était différent. Regardez des lui. Là, c'est qu'il y a ma surprise, je ne sais pas qu'il y a les dents, c'est la foule de péchés. Mais ma soeur aussi, le voyait son propos. Il est clair, sa personnalité. Vous voyez, Jésus, c'était extraordinaire. Voilà. Mais comme ça, nous trouvons dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 21, disait-nous comme ça, mors le trace des Jésus. Mors le trace. La vie n'est pas compliquée. Je vous dis, il y en a un peu, malheureusement, là, on peut se faire tout ça là. Et on a la Bible. Lire la Bible, monsieur. Je ne veux pas dire, par un droit, lire la Bible. Lire la Bible, amen. Lire. Et il disait, mors le trace. Dans 1 Pierre, 2, verset 21, il disait, mors le trace. Prenez, pour presque terminer, par exemple, dans Philippiens, chapitre 2, verset 5, il donne un conseil. Philippiens, qui sont les dans Philippiens, il dit comme ça, ayant les sentiments qui étaient en Jésus. Et non, le vocabulaire là, c'est ça. Il y a chacun fait sentiment. Il va dire ça. Chacun devrait mettre son poste. Pas son. Plutôt, par exemple, qu'il est là, les sentiments de Christ. Ne dit, Seigneur, remplis-nous de ton esprit. Le Seigneur donne-nous ce esprit. De vous dire, remplis par cet esprit. Le Seigneur, enseigne-moi. Enseigne-moi pour te briser. Enseigne-moi pour être des uns des autres. Enseigne-moi pour vous d'après tes paroles. Et voilà, nous trouvons dans des pierres. Dans des pierres, chapitre 5, verset 5. Qu'est-ce qu'on dit, frère et soeur, dans Philippiens, chapitre 2, verset 5 ans? Il y a beaucoup de choses qu'on va nous raconter. Vous connaissez tout ça, ça là. Et pas fait, non, nous checkons. Nous checkons tout. Dans Philippiens, il est dit là, vraiment. Et. 2, 5, pas un mot. Disait, chapitre 2, verset 5. Disait, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lesquels existant en forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et en parlant comme un saint homme. Pas un businessman, un grand businessman. On va dire un grand serviteur de Dieu, un peu de God, un peu de tout. Simple, simple, simple. Bien simple. Verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Il s'est humilié lui-même, il obéit jusqu'à la mort. Il tient une mission pour accomplir. Même jusqu'à la mort à la croix. Et je sais pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui donné le nom qui est au-dessus de tout nom. En fait, au nom de Jésus, tous les noms. Fléchis dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Vous trouvez, Jésus est comme un enfant plus misère qu'il a. Il grandit pareil comme tous les enfants, il vit un an, 30 ans. Il sortit 3 ans d'une bouleverse à l'émona, sans homme, sans outil. Sans raison, sans aide. Oui, mais c'est l'amour. Avec l'amour, aujourd'hui, on va dans tout le pays, même dans le pays communiste, même dans le pays musulman, même de l'autre côté, même dans son amour, pour manquer l'évangile interdit, mais tu peux le demander. Vous voyez, qui fait, c'est des personnes qui viennent avec amour. Voilà comment dire, les jeunes hommes qui travaillent. Dans Philippiens chapitre 5, verset 5, je vais donner un conseil à nous, je vais donner un conseil pour tout le monde. Je disais, humiliez-vous, humiliez-nous, humiliez-nous. Et je disais, Dieu lui résiste au orgueilleux. C'est vrai, nous mettons dans une ronde, mais d'ailleurs, nous n'avons rien. Vous venez dans la place, vous êtes en bas de casa. C'est la place là au point, vous tournez votre sourire. Après, vous tournez ça, vous là, vous êtes quelqu'un. Même l'éclat, même puissance. Mais aujourd'hui, on va le faire. Si
Bon, réfléchissez-vous sur la vie. Nous bien faisons sur la grâce. Amen. Nous nous faisons. La vie même de bon nature nous faisons. Vous savez, mais je m'accompagne sur la gloire. Mon Dieu, mais sur la gloire. Vous savez pas, nous glorifions mon Jésus. Amen. Nous avons bâti des membres du milieu, l'île grandit. Vous savez, Père et Cher, si nous venons, nous avons un aspect là, Père et Cher, pour servir le Seigneur, pour moi-même, la chrétienne. C'est bon Dieu, bénis-nous. Maman Dieu, bénis son tsunami. Bénis personne au monde. Pour capable tous. Pour la vie, pour bénir. Voilà que hier, le Seigneur Jésus, aujourd'hui, ne nous pas. Nous bénissons ça, Père et Cher. Nous bénissons pas le sacrifice. Nous bénissons pas pour nous. Nous venons pour briser nos épaules. Ce n'est pas que vous faire, Père et Cher. Le Seigneur est venu pour ça. Simplement, nous faisons nos morceaux de grâce. Jésus, comme il y a des milliers, des milliers, des milliers, comme un saint-homme, si tu veux, il est la famille, bien misère, mais il vient s'y suffire pour ses œuvres, pour son travail, pour son amour. Amen. Voilà, frère et soeur, parfois nous, comme on dit, nous trop connaissons, bien pour nous donner des leçons. La Bible dit, nous n'avons pas d'idée pour la série des leçons. Qui savait dire ça? Parfois, nous disons qu'un jour, nous trouvons un petit poulet, une sortie de sur la carte, un point de couteau, il dit, toi, Satan, nous coupe-toi. Ah, nous coupe-toi la tombe. Satan brouillait, Satan a une rupture, ça m'a dit. Je vais prendre l'orbite dans la nature, laissez, on va pas te comprendre. Nous devons nous donner un langage. Si nous voulons faire pareil, comme on va d'aller aussi chez eux, on va faire un petit tour. Qui est un pasteur, tu sais, tu sautes l'aide. Si nous voulons faire pareil, comme on va dire, Jésus, tu as fait ça, tu fais ça pour toi-même. Si nous voyons qu'on pense à l'homme, comme on va dire, figurative, Jésus pose aux paraboles, il pose tout. Un seul pasteur veut poser. Il dit même, un pasteur, tu se plains, tu dis, tu poses en flamme, il raconte des feux. Et mon bien, tu sais pas ça, mon bien content. Je sais que vous trouvez ça là. Il dit, un frère est pressé. Vous avez passé, vous connaissez le Saint-Esprit, il n'y a pas de différence, il n'y a le sacrement, il n'y a pas. C'est vous dire, Dieu, mon Dieu, de nous. C'est un peu méprisé. Il dit, c'est Satan là. Il dit, casse-casse. Pourquoi pas la façon de nous le Satan, l'autre. Mais mon père, il dit, il est dans le langage créatif. Mais quand il n'a pas été mal, il n'a pas été ouvert. Achetez un seul pour sa prédication là. Satan là, nous dit, casse-casse. Il est dans la case. Les deux seuls, ils se marient sur la case. Il dit, ah bon, dans Satan, d'aller à quoi pas la gueule, tu vois, carré là-bas. Les bénédictes matins, ce mari, ce bon, c'est quoi, tu es le Dieu de l'orage chrétien là, le Mauricien. Il dit, il est dans Satan, je dis beaucoup de tuyaux dans le dos. Allez, Satan, il veut battre ce mari. Aïe, papa, mon mari, il veut casse-casse le lait, il dit, je dis, fini dans Satan, je dis. Mais, il écoute pas de casse, il me dit, alors il veut battre Satan, ça va se faire. Parce qu'il y a un autre truc qu'il peut faire. Et il a donné quelqu'un, il dit que les trous qui viennent mettre son madame sur ses épaules. Il peut morcer partout dans la cour. Il va faire les tours là-bas, dans le village, dans le tour là. Il peut morcer. Il dit mais qu'est-ce que tu peux faire toi? Il dit non, mais pas au même pressé. Prends de force, prends de la croix, morcer. Alors vous savez où la croix? Vous savez, frère et soeur. Vous m'avez dit, Jésus, je vais dire, déjà si nous la main, si nous lisiez, et nous partons de rester. Pas un lisier là qui peut dire. Vous savez, pas ça. C'est un langage spirituel. Voilà, frère et soeur, moi je vais vous comprendre. Mon plus grand message, c'est que nous devons, frère et soeur, voilà, servir le Seigneur et l'assentiment qui est en Jésus, faire travail, comment le Seigneur peut nous demander, frère et soeur, et nous l'avons. Amen. Et nous allons prier que le Seigneur fasse pour nous comprendre ce mystère. Bon Dieu, vous pensez que nous sommes Saint-Esprit, vous avez dit ça Saint-Esprit-là. La question est de nous, soyez compris du Saint-Esprit. Bon Dieu, réveille-nous tous les jours. Bon Dieu, pour réveille-nous. Saint-Esprit, bébé, non, paix tout aussi. Bébé, non, paix tout. Vous connaissez ce Saint-Esprit-là. Voilà, frère et soeur, m'arrête la même. Voilà, Jésus, notre Pâque. Et voilà, aujourd'hui, le monde entier peut célébrer Jésus ressuscité, Jésus par Christ mort et mort-même. Quand elle est malade, elle dit dans ton beau, non, tu sautes, tu sais, qu'est-ce que tu veux une route?
C'est lui qui est vivant parmi les morts. Voilà, le Seigneur est vivant. Amen. Voilà, tout est avec toi. Avec toi. Amen. Prends la lecture de la Bible, méditez, frères et sœurs, par la promesse de mon Dieu, et vous trouvez ça réalisé dans la vie. Et vous-même, dites merci donc pour là. Je vous bouge, vous savez. Amen. Je vous fais le ciel, je vous fais quelque chose d'extraordinaire. Voilà, bénissons le Seigneur. J'appelle le Seigneur. Seigneur, bénis-toi, Seigneur, nous avons dit, Seigneur, pour tes paroles, pour les vies de paroles. Seigneur, Jésus, c'est toi, notre Père, Seigneur. C'est toi qui n'as pas fait tout de la croix, Seigneur, papa. Merci, Seigneur, Père. Seigneur, bénis-toi, ma grâce, qui est la merci, Seigneur, papa. Qui te l'a adoré, Seigneur, le béni, Seigneur. Merci, mon Dieu, merci, Seigneur. Nous avons loué toi, nous avons béni toi, Seigneur. Merci, Seigneur, de Dieu. Merci, papa, merci pour le Voilà, nous sommes assis en prière. Voilà, nous venons de vous. La Bible dit quand nous sommes quand nous louons, Dieu nous saisit. Voilà, vous pouvez dire ce qui est fatigué, capable de saisir un peu la promesse. Voilà, nous qui nous l'esprit dans la prière, dans la louange, nous bénissons bon Dieu à travers cette action-là. Voilà, dans le ciel, l'annonce, c'est le langage universel. Alléluia. Nous sommes Alléluia. Alléluia.
péchés, aussi de nous ressusciter, Seigneur, et ton troisième jour, viens nous célébrer ton résurrection, viens nous fêter, Seigneur, nous chanter pour de la gloire. Oh, de l'établir-nous, de bénir-nous, de tiens-nous de l'esclavage, du péché, tiens de délivrer-nous de tout vice, de toute passion, de rendre juste pour le sang de Christ, Seigneur. Merci pour le sang de Jésus, de nous protéger, de protéger nous du Jésus. Merci le sang de Jésus de nous laver, Seigneur. Oh, merci pour le sang, Seigneur, de nous mettre l'ennemi sur la croix, Seigneur. Merci de venir t'écrire l'amour, Seigneur, de nous laver. Oh, de nous la victoire, c'est l'amour, Seigneur. Merci de toi, la vie, la résurrection. Seigneur, ce soir, glorifie-toi. Nous célébrons-toi ce qu'il doit faire pour nous faire. Dans le nom de Jésus, Père. Merci, mon Seigneur. Merci, mon Maître. Alléluia. Amen, gloire à Dieu. Merci Jésus. Voilà, le Père avec nous là. Voilà, nous remercier de ma personne qui écoute nous. Voilà, nous sommes priés que sa parole là y allait. Et même les feux. Amen. Sa parole là, c'est pas une parole. Par exemple, la vie de l'Éternel voit sa parole. Et sa parole est guérie. Voilà, nous disons merci. C'est même pour ça. Ma mère, c'est des morts. Voilà, nous continuons, hein, nous préparons pour la fin de scène. Seigneur, priez-toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, je te remercie.